Good morning, Alei Iden. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 Adar Alev 5776 et l'étude sera le Nishmat Rivka Bat Avraham, Lirfuat Tzvi Dov Ben Chaya. Nous étudions Baba Kama Perek Gimel Mishnah Tet. Shor Shave Mane Shenagar Shor Shave Mataim Venan Nevela Yafaklum. Notez la Shor. Shor Shave Mataim Shenagar Shor Shave Mataim Venan Nevela Yafaklum. Amar Rabbi Meir Al Zenemar Umachru et Ashor Achai Vefasu et Kaspo. Amar Rabbi Yuda וכן הלכה. קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצון. ואיזה זה שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 והנבלה יפה 50 זוז שזה נוטל חצי החי וחצי המת וזה נוטל חצי החי וחצי המת. Nous avons plusieurs fois évoqué la singularité de Keren, qui est Keren, le taureau qui en corne. Dans les trois premières fois, tant qu'il est encore tam, inoffensif, il doit payer Khatsi Nezek Migoufo, la moitié de la valeur du Nezek, du dommage, et à responsabilité limitée jusqu'à la valeur de son corps. Donc, si le taureau encore, le taureau qui coûte 200 shekels, encore un taureau qui coûte 1000 shekels, il doit théoriquement ne lui rembourser que la moitié, et qu'il a tué entièrement, bien sûr. Donc, il doit lui rembourser que 500 shekels. Or, le taureau encore neuf coûte 200 shekels uniquement, et ben tant pis, il ne lui remboursera que ses 200 shekels et pas les 300 supplémentaires. Parce qu'il paye Khatsi Nezek et jusqu'à Migoufo. La première partie de la Mishnah va nous apprendre que quand le taureau doit payer avec quand le propriétaire doit payer jusqu'à la responsabilité du taureau, c'est en fait plus profond que ça. C'est pas qu'il paye juste à responsabilité limitée, c'est que l'endommagé devient concrètement propriétaire partiel du taureau endommageur. C'est-à-dire, dans le cas par exemple que j'ai pris, où le taureau coûte 200 shekels et qui en connaît le taureau et qui doit rembourser 500 shekels, donc l'endommagé doit récupérer juste 200 shekels, et bien il devient propriétaire du taureau. La conséquence de ça fera que si ce taureau augmente, il y a une plus-value ensuite, ou peu importe, alors ce sera lui qui deviendra propriétaire de toute cette plus-value. D'accord ? On fait ça dans les mots. Shor Shave Mané. Un taureau qui coûte, Mané, ça veut dire 100. Mané, c'est 100 zouz. Un Mané. Shenagar Shor Shave Mataim. Qui a encore un taureau qui coûtait 200. Ve'en anevela yafakloum. Et le cadavre ne vaut rien. Ou l'eau yafekloum, ou l'eau shave kloum. Il ne vaut rien. Notel et Ashor. La Mishnah vient nous enseigner que l'endommagé peut prendre directement le taureau endommageur, l'encorneur. D'accord ? Ça, c'est pour la première partie de la Mishnah. Donc, on retient, l'endommagé devient propriétaire partiel du taureau endommageur. La deuxième partie de la Mishnah va maintenant s'occuper de, on peut appeler ça la réciproque, on va découvrir un avis de Rabbi Yehuda, et ce sera la halakha comme ça aussi, que l'endommageur devient lui aussi propriétaire partiel du taureau endommagé, du cadavre, s'il vaut quelque chose, on va expliquer ça. Mais auparavant, je préfère qu'on le fasse dans les mots, dans le pasouk. Qu'on découvre à l'intérieur du pasouk comment la Torah nous a exprimé le fait qu'il faut payer le Khatsi Nezek, de payer la moitié du dommage et à responsabilité limitée. Dans Parashat Mishpatim, Perek Chaf Aleph et pasouk 35, la Medrei. La Torah nous dit, Vechi gof shor ish et shor re'e ou vamet, ou machru et ashor achai bechatsu et kaspo, vegam et amet yechetsun. Lorsqu'un taureau d'un homme encornera le taureau de son prochain et qu'il le tuera. D'accord ? Donc c'est la scène, un taureau qui encorne l'autre et il est shor tam, pour le moment il est inoffensif. Ou machru et ashor achai bechatsu et kaspo, vegam et amet yechetsun. La Torah me prononce le verdict de manière très originale en me disant, vous savez ce que vous allez faire? Vendez le taureau en corneur et partagez-le entre vous, vegam et amet yechetsun, et aussi partagez-vous le cadavre mort. Donc, si on illustre ça avec des chiffres, avec le cas basique pour le moment, un taureau qui coûte 200, qui encore un taureau qui coûte 200, dans la mesure où il tue et qu'il ne vaut plus rien du tout, il a tellement charcuté et que la chair a pourri sous la chaleur, il ne vaut plus rien du tout. Donc, la Torah me dit, vous savez ce que vous allez faire? Vendez le taureau vivant, 200 shekels, ça va faire 100, 100,
on se le partage, on le vend et on se partage, ça fait 100 et 100. Le cadavre ne vaut rien, donc il n'y a rien à vendre. Il s'avère donc que je lui ai payé 100 shekels. Donc, la moitié du nézek, puisqu'il a eu un nézek, un dommage de 200, et je le payais 100. Idem, quelque part, pour le moment ça c'est vrai aussi, c'est si le taureau en corner n'a encore né que, ne lui a fait un dommage que 200, donc le cadavre vaut 100, la Torah me dit de nouveau, vous savez quoi? Partagez-vous tous les deux. Vous vendez le vivant, vous vendez le mort, donc on fait, on vend le 200, et on vend le 100, ça fait 300, on se partage ça, 150, 150, il s'avère que sur les 100 que je lui ai endommagé, je lui paye que la moitié, 50. C'est clair. Ça, c'était pour le pasouk. Le problème est comme ça. D'abord, premièrement, ça c'était donc, là on a appris qu'on doit juste payer la moitié. D'accord? Là, on déduit qu'on paye que la moitié. Il y a aussi un autre diouk à faire attention, c'est que si je dois vendre le taureau vivant, donc je suis à responsabilité limitée jusqu'à la valeur du vivant. D'accord? Parce que si, donc on va prendre le cas où maintenant le taureau coûte 200 et à cause d'un dommage de 1000, que le taureau charcuté ne vaut plus rien, donc on va vendre aussi le vivant, mais cette fois-ci, bon, ouais, c'est un peu plus délicat. Alors là, le cas est mauvais. C'est ça, c'est vrai. La Torah n'a pas d'un cas que particulier où l'un coûte 200 et l'autre coûte 200. Mais bien sûr, de là, on va déduire maintenant le fait que je dois toujours payer la moitié du dommage jusqu'à responsabilité limitée, jusqu'à la valeur du corps. Puisque la Torah s'exprime en disant « Vous vendrez le vivant et vous le partagerez », alors de là maintenant, Rabbi Akiva, enfin c'est la première partie de la Mishnah qu'on a appris, il a déduit qu'on va devenir, que l'endommagé va devenir propriétaire, puisqu'on va le vendre et se le partager. Donc on est quelque part « shutafim », on est associé dans ce taureau en corner. De ce fait, on est associé, donc ça lui appartient. Maintenant, dans un cas où maintenant les chiffres vont changer, c'est un peu plus compliqué, c'est simple, bon, c'est pas compliqué du tout en fait. La Torah n'a pas parlé du cas où les chiffres changent, c'est-à-dire on va prendre d'abord le cas le plus extrême. Le cas où mon taureau a encore né, mon taureau coûte 200, il a encore un taureau qui coûte 1000, mais qu'ensuite le cadavre vaut quand même 500. Alors là, c'est évident que la Torah ne va pas me dire « vendez le vivant et vendez le cadavre, ça va faire 700 shekels, on se le partage, 350 chacun, c'est impossible, c'est inconcevable ». Dans la mesure où moi je cause un dommage, je ne vais pas moi me retrouver avec maintenant 150 shekels supplémentaires sur mon compte en banque, il n'y a aucune raison. La Torah n'a pas parlé du cas où il y a des chiffres différents. De la même manière aussi, la Gemara l'explique, bien évidemment, on ne peut pas parler, il y a aussi des preuves à l'appui. Hein. Mais bon, on ne va pas arranger avec les preuves. Mais en tout cas, le cas contraire maintenant, où le taureau vivant coûte 1000 shekels, et le taureau encore né coûte 200 shekels, et qu'il a entièrement tué. Alors là, de nouveau, c'est impossible, c'est sûr, on ne va pas pouvoir dire on va vendre le taureau vivant, le partager 500-500, parce que ton taureau ne valait au maximum que 200 shekels. Même si je devais payer plein pot, je ne paierais que 200 shekels. Le shor tam ne peut pas payer plus que le shor mouad, d'autant plus que dans un endroit où il y a marqué shalem et shalem, qu'on ne se concentre que sur la partie dommage uniquement. D'accord? Ça c'était pour l'introduction à partir du pasouk. La marloquette maintenant qu'on va découvrir. D'abord, je vous dis tout de suite la conclusion, et comme ça, ensuite, ce sera plus facile à faire dans les mots. L'idée qu'il va y avoir, ça va être comme ça. On va parler d'un cas où un taureau coûte 200 shekels, et l'autre taureau 200 shekels, qu'il le tue entièrement, et que la nevela ne vaut plus rien, le cadavre ne vaut plus rien. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a une plus-value de viande, il n'y a plus de viande pour chien. Donc du coup, même cette nevela qui n'était pas tellement intéressante, finalement, elle prend de la valeur, elle monte à 50 shekels. Alors ça se passe comme ça. D'un côté, on va dire, ah, quand tu as causé un dommage, c'était 200 shekels, tu dois payer la moitié, tu payes que 100 shekels. Ça, ce sera l'avis de Rabbi Meir. C'est-à-dire, non, on continue d'abord. Ça, ce sera l'avis de Rabbi Meir. D'accord? Parce que le cadavre, il lui appartient à lui, il ne t'appartient pas à toi, l'endommageur. L'avis de Rabbi Yehuda, ça va être de dire, non. Tu deviens aussi propriétaire du cadavre. Donc pour le moment, il ne vaut rien. C'est pas grave. S'il prend une plus-value, ce sera aussi, tu toucheras ton petit dividende, tu prendras la moitié de sa plus-value. Donc, s'il augmente de 50 shekels, par exemple, comme le cas que je vous ai dit, alors, la moitié, ce sera pour le mazik, l'autre moitié pour le nizak, pour l'endommageur et l'endommagé. Donc, il s'avérera que le dommage à rembourser sera un dommage de 175,
Bon, il garde les 25, et sur les 150 restants, il ne paye que la moitié, ça fait 75. D'accord ? On fait ça à l'intérieur des mots. Alors, on est dans la deuxième partie de la Mishnah. Shor Shavé Mataim, chez Nagar, Shor Shavé Mataim. Un taureau valait 200, qui a encore né un autre taureau qui valait 200. Ven en Evela Yafakloum. Et le cadavre ne vaut plus rien. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir nous dit, dans ce cas précis, Al Zenemar, O Machru et Ashor Achai de Khatsuet Kaspo. Dans ce cas, la Torah nous a dit, O Machru et Ashor Achai de Khatsuet Kaspo. Vous vendez juste le vivant, puisque le mort ne vaut rien, et c'est fini. On ne s'intéresse plus au cadavre. D'accord ? Amar le Rabbi Yehuda, Vechen Alacha. Je suis entièrement d'accord avec toi. La Alacha, tu as raison. Mais malgré tout, tu as oublié de considérer, de m'expliquer la suite du pasouk. Ki amta ou machru et ashor achai, vechatsu et kaspo, velo ki amta, vegamet amet yechetsum. Tu as réussi à accomplir, dans le cas que tu as dit, où le taureau qui coûte 200 a complètement déchiqueté l'autre taureau, et qui ne vaut plus rien du tout. C'est vrai que tu as réussi maintenant à m'interpréter la partie du pasouk, du verset qui me dit, ou machru et ashor achai, vous rendrez le vivant et vous partagerez son argent. Mais tu n'as pas interprété, expliqué ce que signifie la suite du verset qui me dit Vega metamet yechetsun, même le taureau mort, le cadavre, yechetsun qui voudra le partager. Ça, tu ne l'as pas interprété dans ton cas. Dans quel cas je donnerai un sens, une allure à ces mots de la Torah, ve'eize, alors dans quel cas je vais pouvoir le dire? Ze shor, shave mataim, shinagar, shor shave mataim. Il faut dire qu'on parle que le taureau coûte 200, qu'il en donne un autre taureau qui coûte 200. Va nevela yafa hamishim zuz. Et le cadavre vaut 50. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est pas qu'il coûte 50. C'est que, maintenant, la grande explique, c'est qu'au début, dans un premier temps, il vaut plus rien, et ensuite, il prend une plus-value. Donc finalement, la nevela yafa hamishim zuz, on arrive avec une nevela avec un cadavre qui coûte 50. Que dans ce cas-là, on dira, chez Zenotel Khatsi Achai, de Khatsi Amet, l'un prendra la moitié du vivant et la moitié du mort. Et Vezenotel Khatsiachai de Khatsiamet, on accomplira dans ce cas-là tout le verset. On vendra donc le taureau vivant 200 shekels, l'autre taureau 50, ça fait 250, on se le partage en deux, 125, 125. D'accord? Voilà pour la Mishnah. On fait avec le Barthénora, il y a vraiment de quoi rallonger, mais je pense que ça suffit pour... si on a déjà compris ça, c'est déjà bien. Vechen Alacha. Alors maintenant... on se rapporte sur la partie de la Mishnah quand Shor Shavé Mataim, Shenagar Shor Shavé Mataim, que le premier cas que Rabbi Meir a proposé, où le taureau qui coûte 200, encore un taureau qui coûte 200, et puis après le cadavre ne vaut plus rien, que c'est comme ça que Rabbi Meir a interprété le pasouk. Rabbi Yudavien lui dit, Vechen Alacha, tu as raison. Vadaï Ken Alacha, t'as raison, c'est vraiment comme ça l'Alacha. De Mané Noten Lo, De Aïnou Khatinezek, qui lui donnera effectivement un mané, 100, la moitié uniquement. Aval enze shor a amour batora. Mais malgré tout, ce n'est pas sur un tel taureau que la Torah a parlé. C'est-à-dire, quand tu vas lire dans le verset, tu verras toi, Rabbi Meir, que dans le cas que tu proposes, on ne comprend pas comment tu interprètes la suite du pasouk. Alors, maintenant, le Barthénora va nous préciser mieux. Ou plukta de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda, ou bishvach nevela. En réalité, après discussion, l'Agmara nous explique sur quoi se rapporte la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et le Barthénora nous dit comme ça. En réalité, la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ou Bishvach Nevela, dans le cas où la Nevela a pris une plus-value. Kegon Shebishat Mita Loaita Shavaklum. Par exemple, au moment de la mort, de l'encornement, Loaita Shavaklum, le cadavre ne valait plus rien. Veniti Akra Achalkar Veishava Le Achila Le Klavim Le Mochra Le Nochri. Et qu'ensuite elle a pris une plus-value, et que finalement elle récupère une certaine valeur pour pouvoir la donner à manger aux chiens, aux les mochalanochi, ou bien même mieux encore, la vendre tout simplement aux goyim, qui ne mangent pas forcément une viande shruta, ils ne font pas la shrita. Rabbi Meir savar, shvach nevela denizakave. Rabbi Meir pense que shvach nevela denizakave, si le cadavre prend une plus-value, c'est pour le bon compte du Nizak, de l'endommagé. Velo Shakil Bamazik Kloum, elle a noté le Khatinizko, et encore l'endommageur ne récupérera rien, aucun dividende de cette plus-value-là.
juste et pas uniquement le Khatsi Nézek selon le moment de, du coup de corne. Ve'aynu deka amar Rabbi Meir al ze ne'emar u'machot asher achai ve'chasu et kaspo. C'est sur ça que le pasuk s'apporte. Klomar, shetzef l'eten lo dmei chatsi nizko midmei shorachai ve'eno menakelo klum ba'avur hashvach she'ishbicha nevela. Qui faudra lui rembourser la moitié, dmei chatsi nizko, la moitié du dommage, midmei shorachai, à partir du taureau resté vivant, ve'eno menakelo klum ba'avur hashvach she'ishbicha nevela. Il lui déduira rien de la plus-value de la plus-value du cadavre. Mais Rabbi Yehuda Savar, de Khatsi Shvach Nevela, de Mazikave, la moitié de la plus-value du cadavre, de Mazikave, reviendra à l'endommageur. Pour Sheba Mazik Neshalem, donc on va déduire maintenant du total des 200 shekels, la plus-value de 50 shekels, ça fait que 150, on ne paye que la moitié. 75 plus les 50 que lui garde, donc ça fait en plus 125. Pour Sheba Mazik Neshalem, l'anizak, de Me Khatsi Nisko, et quand l'endommageur viendra dédommager le Nizak, lui payer le Khatsi Nezek, mais naquel Khatsi Shvach Sheishbicha Nevela. Il fait le contraire, il présente le cas à l'envers, c'est-à-dire, je devais lui payer 100, donc je vais lui payer 100, et ensuite, ouais, Urcheba Mazik Leshalem la Nizak Dme Khatsi Nizko, quand le Mazik l'endommageur va venir régler le payer à l'endommagé, mais naquel Khatsi Shvach Shishbicha Nevela Mishat Mita Achat Amada Bedin. Il devra lui déduire la moitié de la plus-value Shishbicha Nevela que le cadavre a pris Achat Amada Bedin depuis le moment où jusqu'au moment où ils se retrouvent au Bet-Din. Bien sûr, une fois que le Bet-Din tranche son din, si ensuite il y a une plus-value, alors ce sera uniquement pour le Nizak, ça c'est sûr. Daino de Kamara Biudal Rabbi Meir. Et c'est ça que Rabbi Yehuda lui dit à Rabbi Meir. Kiamta machu et ashorachai, velo kiamta vega metametechatsun. Tu as réussi à accomplir la partie du verset qui te dit au machu et ashorachai devant le taureau vivant, velo kiamta vega metametechatsun. Shetzarich lechalek ashvach sheishbiya chamet veshakal lemazik palga. Parce que la Torah me dit aussi de faire vega metametechatsun, de partager le taureau mort, qu'il faut aussi partager la plus-value. Sheishbiya chamet veshakal lemazik. Ve'alacha ke Rabbi Yehuda. Je vous souhaite, l'alacha sera fixée comme Rabbi Yehuda. Je vous souhaite une excellente semaine, pleine de hatzlacha, kol tuv sela.